What up? I'm currently editing the Senegalese interviews video. I just want to let you guys know that if you do not speak French or Wolof, which I don't speak Wolof, so no biggie, there is a little gear icon at the bottom right of the YouTube settings like page. And basically, you just click on that, you choose your language, and the closed captions will pull up. So if you want to read along in English or Spanish or whatever it may be, you can do that. Thank you so much for watching. Alors, je vous demande si vous avez vécu de moments difficiles dans la vie et comment vous avez fait pour vous en sortir. C'est pour ça que c'est ça que vous voulez. Je t'ai demandé plein de questions dans le taxi, donc ouais, en voilà une nouvelle. Ok, non, c'est bien répondre ce que tu t'es demandé, tout ça. Ce que tu m'as demandé, si tu as réussi un peu de plaisir. Oui. Voilà, ça reste comme. Tu m'as demandé maintenant qu'est-ce que c'est vécu dans le difficile moment. Ouais. Ça, la vie, c'est difficile. Il n'y a pas de facilité dans la vie. C'est une bataille, il ne faut pas baisser les bras seulement, la vie c'est comme ça. Nous les musulmans, on nous dit que la khadakhala insani fi kabadi. C'est-à-dire Dieu a écrit l'homme pour des difficultés. Il faut essayer de battre pour te sortir. C'est comme ça, la vie n'est pas facile. D'accord. Voilà, c'est tout. Il faut comprendre que tout est. Pas facile, il faut essayer de battre pour faire se sortir pas avec l'aide de Dieu. Et est-ce que vous prenez le temps de vous amuser ou jamais? Moi, je ne s'amuse pas dans la vie, pas de s'amuser. Je te dis ça, oui, Dieu n'est pas créé à s'amuser. Même le mot, c'est tout ce que Dieu a écrit. Il n'y a pas quelque chose qui s'amuse dedans. Tout il fait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas le temps de s'amuser dans la vie. Ça marche. Pourquoi la place elle était peinte avec les couleurs de la France là? Quelle place? La place où on était. Je sais pas. C'est du lait. C'est du lait? Je peux ouvrir? Wow. Tiens, vite. C'est bon le lait? Attends. Encore du lait? Il y a un petit peu de lait, mais on peut attendre 15 jours. Je ramène notre lait.
jamais ici. D'accord. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Donc c'est là où le lait il est fait. Oui. What makes you proud of Senegal? Senegal is a good country. You know the rice, the children. Yeah. It's good. Yeah. Yeah, and the family, you are in the family. Your father is going to the Dakar. You know Dakar, the capital city. Yeah. He work every day. After his son is. Je ne peux pas parler quand il est anglais, quoi, mais je peux parler français. Tu peux parler français? Non, tu vois, on est ici avec la famille. Ouais. Tu comprends? Mais des fois, le supérieur, comme mon père, il part à Dakar, il va travailler là-bas, lui, c'est le frère de mon père. Et moi, chaque jour, je vais à l'école. Mm-hmm. Chaque jour, je vais à l'école. Peut-être, je suis en train de. À ce moment, j'ai eu mon PFM, brevet de fin d'études moyenne. Après, je vais essayer de trouver mon baccalauréat, puis. Et je vais faire des formations pour obtenir un job. D'accord. Tu veux faire quoi? En ce moment, je suis pas encore prévu. Mais tu veux continuer les études? Oui, je veux continuer les études. Est-ce que tu veux travailler avec les mains ou le cerveau? C'est lourd. Et pourquoi tu veux aller en Amérique? En Amérique parce que moi, ici, même ici au Sénégal, j'incarne cette vie-là. La vie que comme vous vivez là-bas. Tu comment? Cette vie que vous incarnez en Amérique. Oui. Moi, c'est cette vie-là que j'incarne ici au Sénégal. Et c'est quoi cette vie? C'est de ne pas s'occuper des affaires des autres. De vivre moi-même. Par. Après, quand je suis ici, quand je vais prendre le repas, après, je vais aller à l'école. Quand je vais revenir, je vais au terrain parce que après, c'est fini. Je suis comme ça, ma life. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes fière d'être sénégalaise? Oui. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Pourquoi? Je suis musulmane africaine. Mm-hmm. Je suis née dans ce pays. Oui. Je veux travailler. Tu veux travailler dans quoi? Non, je veux sortir ici. 15 mois au baccalauréat, je veux sortir. Tu veux aller où? Canada. Maroc, bientôt. D'accord. Oui. Et pourquoi tu veux sortir? Je veux sortir pour travailler là-bas, apprendre, avoir de l'argent. D'accord. D'accord. Et la dernière question, ce sera pourquoi la famille et la religion, c'est important pour vous? La religion, c'est important pour parce que c'est Dieu qui nous crée et nous sommes nés dans nous sommes nés dans une famille de musulmans. Merci. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. Il est noir. Il est noir comme tout, ouais. Hein? Il est noir. Oui. Oui. Son père là est noir. Photo, Avaya, what's up? Ouais. Il a dit après vous lui partagez ça. Nene. Quelles sont ces marques là que vous avez? Quoi les marques? Ça s'appelle comment? Culture. Ça s'appelle comment? Nias. Nias? Non, non. Pes. Ça s'appelle Pes. Pes. Pesso. Et pourquoi vous faites ça? C'est notre culture. C'est une des ancêtres. Ils sont des ancêtres cool. Faites ça. Et est-ce qu'on peut demander là pourquoi elle a décidé de faire ça? C'est ta mère? D'accord. Et vous avez quel âge? 30 ans. Vous avez un mari et des enfants? Celui-là? Donc vous êtes sa soeur? Son soeur? Cousine. Cousine? Oui. D'accord. Voilà. On ne va pas calculer sur là. Je suis d'accord, je pense que. Il faut que. C'est ça ton problème.
est dans ce monde de calcul. Dans le monde de calcul. Parce que tes parents, ils ont trop calculé. Et jusqu'à présent, ils calculent. Ouais, c'est toujours qu'est-ce qui va se passer, ouais. Comment on va faire. Jusqu'à présent, ils calculent. Et pour toi, tu calcules pas? Non, je limite mes calculs. Tu limites à ce que tu as vraiment besoin. Voilà. Je suis à le strict minimum. Trop de calculs ne fait pas une belle vie, quoi. Non, pas du tout. Ça te fait perdre du temps. Ça te fait perdre du temps. Et le temps, c'est là que le temps est précieux. Ça te fait perdre du temps. Tu vieillis jusqu'à un niveau où, quand tu auras tout, tu n'auras pas ni la force, ni les capacités de d'en bénéficier. C'est ça, quoi. Fais trop de calculs, et puis... Tu épuises ton cerveau. Tu sais, c'est comment? C'est comme si quand tu... C'est comme quand tu... Quand tu... C'est comme quand tu... Lis... Sans tes verbes. Tu vois comment tu te fatigues, tu fatigues tes yeux. Oui. Tu fatigues tes yeux. Alors que tu pouvais prendre un verre et pour les autres et ne pas fatiguer tes yeux. Je disais que j'avais fait un expériment une fois. J'étais à Gare de Lyon, à Paris, et j'ai demandé pour des directions, pour savoir où j'allais. Je savais déjà où je voulais aller, mais c'était juste pour voir si les gens s'arrêtaient. Personne ne s'arrête. Personne ne s'arrête. C'est après 5-6 personnes avant que quelqu'un s'arrête. C'est comme ça. Et ici? Non. Mais non. C'est ça notre richesse. On n'a pas les moyens. Mais on a la richesse. On a la richesse. Qu'est-ce que tu cherches dans le nouveau candidat présidentiel? Qu'est-ce que je cherche? Pour, si tu as deux candidats, tu voterais pour un au lieu de l'autre. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que fait un bon président? Être un bon président, pour moi, les politiciens sont pareils. Pour moi. Les politiciens? Oui. Parce que, pourquoi? Tu ne peux pas être dans un gouvernement pendant 10 ans, tu as un problème, tu sors, tu dis non, le gouvernement n'a rien fait. Et pendant ce temps, tu étais là-bas pendant 10 ans. Mm-hmm. C'est pas sérieux ça. Mm-hmm. Donc, eux, ils cherchent que leurs intérêts. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de corruption? Corruption, en Suisse. Mais c'est un peu compliqué de dire corruption. Parce qu'il n'est pas dans le milieu de la politique. Mm-hmm. Moi, ça fait 3 ans, moi, je ne vote pas. Tu ne votes pas? Non. Est-ce que tu te sens représenté à ce niveau? Par les politiciens? Non, mais les politiciens, bon, exemple, je te donne un exemple. On dit, bon, tel jour il y a marche, tout le monde sort. Mais toi, le politicien là, ta femme, tes enfants sont en Europe en train d'étudier. Mm-hmm. Même s'ils sont au Sénégal, tu ne les vois pas dans les rues. C'est les enfants d'autrui, c'est les mamans d'autrui qu'on ramène dans les rues, qu'on a des lacrymogènes. Moi, je marche pas dans ce domaine-là. D'accord. Soit ta femme, tes enfants. Uh-huh. Nous tous, on va nous gazer des lacrymogènes, je suis d'accord. Mais tu laisses ta femme dans la maison, tes enfants, ils conduisent des véhicules qui coûtent des centaines de millions, et moi, tu me jettes dans la rue comme ça, allez vous battre. Allez, nous, là. Et si on te chie, on te fout en prison, c'est sérieux. Mm-hmm. Je te demande, est-ce que c'est normal ça? Non. Voilà. D'accord, on va faire ça.
Ouais, j'ai compris. Il y a des marches là, il y a des protestes, non? Ouais, c'est pas grave. Pourquoi il y a des protestes? Non, on te dit la vie est chère, le président ne doit pas faire deux mandats, ne doit pas faire trois mandats. Allez, tous les enfants dans la rue. D'accord? Je suis d'accord. Mais hey, sors-moi ta femme et tes enfants. Ils vont marcher comme moi. Quand on me donne des lacrymogènes, eux aussi, ils doivent recevoir. C'est le président qui demande aux gens d'aller dans la rue? Non, les opposants. Les opposants, d'accord. Même si tu es président demain, oui, tu es d'accord. Opposant, vois, tu vas faire la même chose. Mm-hmm, je vois. Qui est opposant. Mais ils ne le feront pas. Qui? Bah, s'il devient président, il ne ferait pas ça. C'est ça que tu dis. C'est pour ça que toi, tu ne marches plus. Tu es opposant. Ouais. Tu demandes les gens de sortir de marché. Mm-hmm. Tu es président. Mm-hmm. Moi, je n'ai rien. Mm-hmm. Moi, je me débrouille pour nourrir ma famille. Pourquoi me concentrer sur la politique? À la prochaine. Allez. Je disais que j'avais fait un expériment une fois. J'étais à Gare de Lyon, à Paris, et j'ai demandé pour des directions, pour savoir où j'allais. Je savais déjà où je voulais aller, mais c'était juste pour voir si les gens ils s'arrêtaient. Personne ne s'arrête. C'est après 5-6 personnes avant que quelqu'un s'arrête. C'est comme ça. Et ici? Non. Mais non. C'est ça nos clichés. On n'a pas les moyens. Mais on a la richesse de la nourriture. On a la richesse de la nourriture. Allez, Alain, d'en parler. Ah, quand tu es là, mort, devant l'amour du cerveau. À qui vit? Waouh. Alors, comment tu t'appelles? Non, c'est Abdul Aziz Faye. Et je vous demande alors, quelle est l'importance de l'art ici au Sénégal? L'importance de l'art, il y a beaucoup de sens pour le définir. Quoi. L'art, tu peux s'exprimer. Ce que tu n'arrives pas à le dire, tu peux le montrer avec tes peintures. Passer le message, t'as vu? Et puis ça fait encourager des personnes qui sont vraiment besoin. Et puis c'est comme un travail. On vit dessus, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc vous faites partie de l'association des artistes à l'île de Gorée? Voilà, des handicapés de Gorée. Des handicapés de Gorée? Voilà. On travaille là-bas il y a presque 25 ans de cela. Est-ce que c'est difficile d'être handicapé au Sénégal ou est-ce que les gens ils sont gentils, ils vous aident ou comment ça se passe? Tu sais, l'handicapé c'est dans la tête quoi. C'est dans la tête. Voilà, mais tu sais que ici en Afrique, on se soutient quoi. Chacun, il aide l'autre, ce qu'il a de plus que lui quoi, t'as vu. Pour cela, on fait beaucoup d'amis et puis ça va. On vit comme tout le monde, comme on a le droit de vivre. Très bien. Et où est-ce que vous allez aujourd'hui? Alors là, j'ai en train de préparer la grande cérémonie spirituelle à Touba. On dit Magalo Sekfalou. Pourquoi c'est important d'aller à Touba? Pour faire vivre notre cœur de pur. Ah oui.
des relations avec des personnes, que tu le fais juste pour notre bon Dieu. Ça fait vivre le cœur sans rien, quoi. Est-ce que tu peux envoyer des salutations aux Américains en anglais? Voilà. Never give up. And get up, stand up. Merci. C'est gentil. Alors, quelle est la personne qui a plus formé vos valeurs? Ah, tu fais du ciné dans une famille. Ils sont des bons croyants. Ils m'ont beaucoup aidé. Je connais aussi mon marabout, c'est Abdelkrim. C'est une personne qui nous a beaucoup aidé pour avoir une savoir-vivre. Qu'est-ce qui est devenu plus clair pour toi avec l'âge? Pardon. Tu nettoies Pape Samba? Ouais. Tu fais du bon travail là? Ah, merci. Tu vois? Sophie? Sophie? À la maison, elle aussi, elle fait du bon travail. Oui, c'est ma copine. Ah. J'aime beaucoup, oui. Elle est sentie, hein? Ah oui. Et encore. Salut de ma part, hein? Du coup, ouais, c'est qui la personne? Non, c'était la question, c'était avec l'âge, qu'est-ce qui est devenu plus clair pour vous? Qu'est-ce qui est devenu plus clair? Oui. On s'entraide dans nous, hein? Chacun doit prendre soin de l'autre. On en a besoin. Et la famille, ça veut dire quoi pour toi? Pourquoi c'est important? Ah, la famille, c'est... Quand il n'y a plus personne, il y a la famille à côté. Pourquoi la nourriture est importante pour toi? Tu connais la réponse? Tu vas me dire quelque chose de simple? Non, quelque chose de simple. Parce que ça te permet d'avoir beaucoup d'énergie, de force. Je réfléchis. Prends ton temps. Ça la nourriture, permet. La nourriture, il est important parce que ça te renforce, ça se donne de la force. Et... la nourriture, pourquoi il est important? Il se casse. Il se casse. Thank you.
Come on, boy. C'est quoi la manifestation? C'est quoi? C'est quoi? Sonko, président. À cause du président? Président, Sonko. Sonko, il a fait quoi? Blackout. Il va quoi? Il va quoi? The Olof. The Olof. Président Sonko. Toi, les sons, ou celui de Mustapha? Where do I even start? I'm editing the video right now, same as before, and there's a section here where the videos of the Talibé are, and I would implore you, if you're watching this without having watched the video that I'm going to make in the coming week on Talibé, which Talibé means like the students of the Quranic schools in Senegal. These Talibé, not all of them end up like this, but some of them do. Okay, this is what I see, what I'm seeing as I edit right now. This Talibé is one of the many children that you may encounter if you go to Senegal, who are in a big city in Senegal, who are begging for money. And they suffer a lot. But before you judge Senegal or the Senegalese people for like allowing such a thing to happen, which, if I'm being perfectly honest, I did myself, before you do that, just watch the video that I'm going to make on the subject, because the reality is much more difficult to understand than just simply how could people let this happen to children. It's not that simple. So before you judge, just please have a look at that video. More. No, dammel more. Donc, tu peux m'expliquer ce qui se passe avec lui, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer ce qu'il fait? Mohamed. Ouais, Mohamed. Il fait Wolof. En Wolof, en français. Il fait Yalwa. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il joue pas, par exemple, comme les enfants devraient faire? Il ne connaît pas jouer. Il connaît que Yalwa. Donne-moi. Une pièce de 500 ou un billet 500 francs.
Ouais. Je ressens ça. Mohamed, Kay. Mohamed, t'as vu? Voilà. Tu as. Oui. Et mon petit. Eh oui, Léo. Tu as quel âge? Il a 9 ans. 9 ans. Oui, j'ai fait un film. Dis-leur que j'ai fait un film. Dis-lui s'il répond aux questions, je lui donne encore une question. Ok. Donc, tu as quel âge? 9 ans. 8-10 ans. Et vous, tu t'appelles comment? Ousmane. Ousmane. Et tu t'appelles Mohamed. Est-ce que tu as un rêve? C'est quoi? Amoudé. Amoudé. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Le marabout. Le marabout. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Karim Falé Lumbaye. Je m'appelle Karim Falé Lumbaye. Et où est-ce que vous allez aujourd'hui? Je vais au Touba. Et pourquoi? Pour célébrer le Magal, le Kazouayab, le jour où Serif Fallou est né. Et pourquoi c'est important ce jour-là? C'est important parce que c'est le jour où le prophète Mohammed a rejoint Allah, mais c'est le même jour que Serif Fallou Mahamat. D'accord. Et c'est spécial. Ça fait partie de, du mouridisme. D'accord. Et est-ce que vous aimeriez aller en Amérique? Oui. Oui, pourquoi? Parce que je vais d'abord je veux étudier. Tu veux étudier? Ouais. Est-ce que tu ne peux pas étudier ici au Sénégal? Si, mais il y a beaucoup de perturbations et c'est un peu difficile de chercher un endroit. Et tu penses du coup qu'en Amérique ça serait plus facile? Bah oui, et j'aurais beaucoup de profit à avoir du boulot contrairement au Sénégal. Est-ce que tu sais qu'en Amérique il faut des papiers pour travailler? Et que c'est très difficile d'avoir ces papiers, ça peut prendre une dizaine d'années. Et sans ces papiers, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas gagner d'argent.
Et du coup, mais toujours tu aimerais juste essayer, tenter. Et pourquoi tu ne resterais pas plutôt ici au Sénégal? Tu n'as pas ici, assez ici? Non. Non. Qu'est-ce qu'il te manque? Moi, je pense juste à mes études, seulement pour mieux placer mon avenir. D'accord. Merci beaucoup. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi elle veut aller aux États-Unis? Il faut passer ton temps. Il faut passer ton temps. Il faut passer ton temps. Juste aller en Amérique pour faire la vaisselle. Pour faire la vaisselle. La cuisine. La cuisine. Et le ménage. Et le ménage. Et elle peut pas faire ça ici. Tu peux. Pourquoi tu peux pas faire ça ici? Pourquoi tu fais ça ici et pourquoi tu veux faire ça? Tu veux plutôt le faire là-bas. Elle a dit au Sénégal, les salaires sont très faibles. Trop faibles, c'est vrai. Et toi qui as un frère qui est là-bas et qui a eu beaucoup de mal pour trouver du travail parce qu'il n'a pas de papier, est-ce que tu peux expliquer à la dame la situation? Elle est en Amérique, que vous l'aidez à avoir un job plus cool, parce qu'elle ne va pas aller là-bas pour souffrir encore. Pour souffrir encore, c'est ça. Elle ne veut pas aller là-bas pour souffrir encore. Et du coup, c'est ça en fait, en Amérique. Comment tu t'appelles? Falou. Et tu travailles ici? Tu fais quoi ici? Mécanicien. Et t'as quel âge? 14 ans. T'aimes bien le travail que tu fais ici? Les webinaires là, tu aimes bien? Oui. Et est-ce que tu vas à l'école aussi? Et pourquoi pas? Tu préférerais? Est-ce que tu aimerais aller à l'école? Non. Pourquoi? J'aime le travail. Tu aimes mieux le travail? Pourquoi? Parce que tu gagnes des sous? Oui. Combien tu gagnes par mois? Par les. Par jour? Combien tu gagnes par jour? 1000 francs par jour. C'est pas mal. D'accord. Et est-ce que tu aimerais aller en Amérique? Oui. Oui, pourquoi? Pour le travail. Pour le travail. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont aux États-Unis et ils ne trouvent pas le travail parce qu'ils n'ont pas les papiers? Oui. Mais tu aimerais quand même essayer? Et si tu y allais et que tu ne trouvais pas le travail, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais pas? Tu reviendrais peut-être au Sénégal? Oui. Oui, à ce point-là? Si tu trouves pas le travail là-bas, tu reviens au Sénégal? Oui. D'accord. Mais moi, je te dis que c'est très difficile. Il vaut mieux essayer maintenant du Sénégal, apprendre l'anglais et faire les papiers ici et commencer le process. Tu vois, au lieu d'y aller d'abord.
Tu vois ce que je veux dire? Essaye de m'aider. Donc je lui dis que il vaut mieux essayer du Sénégal de commencer le process pour avoir les papiers pour travailler aux États-Unis. Oui. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler des gens qui vont du Sénégal, ils vont au Mexique ou au Nicaragua et ensuite ils vont jusqu'en Amérique? Oui, est-ce que tu ferais ça toi? Non, c'est trop difficile. D'accord. Il y a des deux seulement ici. Et donc ceux-là ils te font 4500 par jour pour le manger. Pour le manger. Ça c'était une gogne. Ça c'est du gogne. Gogne. C'est ça un gogne. Du foin. C'est des livres ici. Ça. Tu as connu ça? Ouais, c'est du manger ça. Oui. C'était ça. Ici. Ça, acheté par 3 kilos. Mm-hmm. Kilo 500, 1500 plus 1000 francs, ça fait. Ouais. 3500. Ouais, à cette chrome là, 1500. Mais comment ils te font? Comment tu vends quoi? C'est quoi que tu vends pour te faire 4500? Où tu dépenses 4500 sur les moutons? Tu dépenses. Tu dors. Ah. Je dépasse, moi. Ah. C'est moi qui le dépasse. Ça, chaque jour, 4500 par jour. Mais après, tu as du lait? Lait pour? Des moutons ou? C'est des garçons. Ah, c'est des garçons. Mais alors, pourquoi tu veux dépenser 4500 par jour? Pour le manger. Le manger des moutons. Éventuellement, un jour? Un jour, chaque jour. Ah. Chaque jour, on gagne 1000 francs. Oui, mais. Repasse, mais qui? D'accord, repasse, je vois, mais ensuite 2500. Ensuite ce matin soir. Toi tu vas manger ces moutons un jour? Un jour. Ouais, tu vois, tu vas les manger. Il y a d'autres moutons. Il y en a d'autres? D'autres, il y a d'autres, comme il y a 7 moutons à masser. Attends, après le maga, on part là-bas. Ok. Le maga, on part là-bas, toi et moi. Et est-ce qu'ils te font des sous? 250 000. Ça, 250 000. Et tu les vends des fois? Quand je veux vendre aux autres, je les vends. Il y a des gens qui m'appellent, mais c'est moi qui ne veux pas. Vous avez quel âge? Vas-y, fais-le. Tu as quel âge? Akjam. 6 ans. Et toi? 13 ans. 13 ans. Et toi? 14. Les sous, c'est pour faire quoi avec? On fait quoi avec les sous? Hein? Vous allez. Les sous, le khalis, ouais. C'est pour manger. Et tes parents? Tes parents, ils sont où? Les parents? Maman, papa? Ouais. Où? Oui, aux parents. Dis en wolof. Et lui, c'est ton frère? Oui. Oui. Et ses parents, ils sont pas là?
Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ils sont partis où? À Foute. 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 C'est quoi ça? Foute, je veux dire. Et là, moi, c'est quoi ça? Hey, hold. Hein? Là, moi, c'est quoi ça? Je lui donne de l'argent. Je lui donne de l'argent. C'est le stade de lutte, ça, non? C'est quoi là? C'était quoi ça? Negadai. Tu manges? Oui. Avec le couscous. Alors, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bamba Sarr, Hadim Sarr. Et ça fait combien de temps que tu vis ici à Dakar? Ça fait longtemps. Hein. Il y a 31 ans. Hein. 31 ans? Oui. Toute ta vie? Oui, ma vie. Donc t'as 31? Oui. Très bien. Et tu travailles dans quoi? Menuiserie et Benis. Menuiserie bois. Ok. Oui. Et aussi, tu travailles dans les bus un peu? Oui, je travaille dans les bus encore. Et si ça ne te dérange pas de partager, combien est-ce que tu penses que tu fais par mois, plus ou moins? C'est moi, dépense. Moi. Ça dépend du mois? Pour? Combien tu fais de sous par mois? Pour calculer, c'est trop. C'est? Trop. Trop? Oui. Ok. Ouais, parce que chaque jour, j'ai des moutons, mais chaque jour, 4500. Comme mon atelier menuiserie, dépend chaque jour 3000, 5000, 6000, 7000. D'accord. Ouais. Et en plus, les bus. En plus, les bus. Donc, ça peut faire 4500 plus 6000, ouais. Plus les bus. Plus les bus. Par jour. Par jour. Et avec ça, tu supportes ta famille? Ouais. T'as une femme? Deux fils. Deux fils? Une fille, un garçon. Une fille, un garçon. Ouais. Et tu penses que bientôt tu pourras avoir une autre femme? Oui, je veux une autre femme. Et tu penses que tu as assez de khalis? Waouh. Waouh. Wow. Très bien. Je veux. Et qu'est-ce que tu cherches dans ta deuxième femme? Tu veux quoi? Quelqu'un de solide, quelqu'un de gentil? Oui, quelqu'un de solide, gentil, bien. Bien. Ouais. D'accord. Cœur bien. Tout bien. Et tu sais qu'en Amérique, normalement, les gens, ils ont que une femme. Mm-hmm. Et pourquoi c'est différent ici? Ah, c'est vous. Oui, nous, on est différents. Ouais, nous sommes différents. D'accord. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains. Uh-huh. Oui. Très bien. Et Et ton frère qui il est en Amérique? Ouais. Et comment il a fait pour aller là-bas? Vend des vêtements. Il vendait des vêtements? Ouais. Il a gardé ses sous? Ses sous. Combien de sous il faut? Vers 2 millions, 3 millions. 2 millions, 3 millions. Et ensuite il a pris un avion jusqu'au Nicaragua, c'est ça? Ouais. On a pris une mesquite. Par Nicaragua. Et un bus ou quelque chose comme ça? Marche. Et ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Un mois. Un mois? Seulement un mois aux États-Unis. Un mois aux États-Unis. D'accord. Ouais. Et il t'a donné des nouvelles? Comment ça oui, va? Oui, ça va bien. Bien. Il trouve du travail? Il trouve du travail. Ah bon? Oui. Cool. Même est-ce qu'il n'a pas de papier? Il n'a pas de papier, mais son grande sœur est là-bas. Sa grande sœur est là-bas, donc il a un système de support. Oui. Oui. Et sa grande sœur, elle est mariée avec un Américain? Un Sénégalais. Avec un Sénégalais? Oui. Ah, d'accord. Il est là-bas. Il travaille bien. Trop bien. Très bien. Et. Loser, là-bas.
Ouais. Est-ce que tu sais dans quoi il travaille? Non, je ne sais pas. Hein. Non. Et ta grande sœur, tu sais, est-ce qu'elle travaille là-bas aussi? Non, non, je ne sais pas. Non. Ça, elle travaille dans l'aéroport. Dans l'aéroport. Mm-hmm. D'accord. Hmm. Et est-ce que tu connais d'autres gens qui sont partis en Amérique? Non, non, non. Ma mère est partie en Espagne. Partie en Espagne? Oui. Ma mère est partie en Italie. D'accord. Et pourquoi les gens ils veulent partir, tu penses? C'est du boulot. Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Mm-hmm. Et. Si au Sénégal, l'argent c'est facile. Gagner de l'argent c'est facile. C'est facile ici? C'est facile. Et donc pourquoi ils partent? Hein? Pourquoi ils partent si c'est facile ici de gagner de l'argent? Pas mieux. Là-bas, mieux. Là-bas, encore mieux. Oui, mieux que Sénégal. Mais après, ils n'ont pas la famille là-bas? Ah, mais. Quand ils sont là-bas, ils ont une famille. Mm. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. J'ai un ami là-bas, en Allemagne. Mmh. Une famille allemande. Mmh. Les Sénégalais, il y a des Sénégalais partout, c'est pour oui, ça. Il y a des Sénégalais partout. D'accord. Et toi, tu aimerais bien aller en Amérique ou... Oui. Oui. J'ai dormi. On tape, aller en Amérique. Sans avec des personnes. D'accord. Et ta famille, tu les laisserais, tu enverrais des sous, ouais, tu les ramènerais éventuellement? Voilà, c'est une maison pour d'accord. moi. Je veux une maison. Mm-hmm. Oui, pour fonder une famille. D'accord. Hmm? Est-ce que tu commencerais une deuxième famille là-bas ou tu ramènes ta première famille en Sénégal d'abord? Ici. Ici? Ici. D'accord. Pour moi, une deuxième femme, mm-hmm. il faut une maison réparée. Mm. Ouais. Voilà. Il faut une maison réparée seulement. Il faut une maison. Est-ce que tu épouserais une américaine? Ah, quand j'ai une maison, j'épouserais une américaine. Okay. Ouais. Si toi, tu m'as donné une américaine. Hein? Oui. Ouais? Ouais. Si elle est gentille, solide et tout, tu la prends? Oui. D'accord. D'accord. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais aux Américains qui ne veulent pas que les Sénégalais ou d'autres gens ils viennent chez eux? Les Américains. Ah, c'est vous, c'est les Américains. Parce que nous, on veut partir là-bas pour aider le travail. Mais pas pour rien seulement. Mm-hmm. Oui. Mais les gens, ils disent que... Il y a trop de migrants. Non, mais il y a trop de migrants, mais les migrants, ce ne sont pas les mêmes. Mm. Et nous, on a notre boulot ici, hein, on part en Amérique. On fait une chose du travail. Il n'y a plus d'immigrants, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de travail. Ici? Ici, et on part. C'est des chômeurs. Et nous sommes des ouvriers. Mm-hmm. Oui. Mais tu venais juste de dire que ici il y a du travail, mais c'est juste que le travail là-bas il est mieux. Il est mieux. Donc ce qu'il dirait, il y a des Américains qui diraient je m'en fous que le travail soit mieux ici, c'est mon pays et les gens ils viennent sans papier et il y a trop de gens qui viennent. Amen. Ça, pour nous les Américains sont gentils. Sont gentils, sont bah gentils. Ils sont pas tous gentils. Ouais. C'est le même pays. C'est un pays. Même le Sénégal. Même le Sénégal. Mm-hmm. Il y a des hommes qui sont pas gentils. Il y a des femmes qui sont pas gentils. Mm-hmm. Ouais. Tout le pays. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Et nous, on veut Amérique. Ouais. Parce que Amérique, c'est un pays. C'est un pays large, quoi. Ouais, de richesse. De richesse. Ouais. Ouais. Que tu ne peux pas trouver ici. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui sacrifieraient la famille et le système de support qu'ils ont ici mmh. pour aller en Amérique juste à cause de cette promesse. Ouais, ouais à cause de l'espoir. L'espoir.
Mm-hmm. Et moi, non. Toi, non. Sauf si tu savais que ça pouvait bien marcher, que tu pouvais ramener ta famille et tout. Ouais. J'étais en Amérique. Mm-hmm. L'Amérique ne marche pas. Je reviens là. D'accord. Ouais. D'accord. Attends, les gens, arrête de crier. Il ne fait pas le voyage. Beautiful.
good boy. Such a good boy. Not too bad of a spot to sleep and wake up. C'est 5 minutes max of water, then back to this thing.